plaisir de venir nous retrouver dans cette salle sombre alors qu'il fait si beau au bord du lac. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Merci au Festival Week-end Musical de Puy de nous accueillir aujourd'hui et de nous offrir la possibilité de présenter ce projet Nymphéas qui veut réunir le jazz manouche, le jazz en général, la musique de Django et la musique classique. Voilà, parce qu'on s'est dit que finalement les partitions, les préjugés, toutes ces choses-là sont peu devant l'amitié et le plaisir de partager un moment de musique avec des personnages aussi formidables. Nous avons interprété 3 pièces de Django Reinhardt et maintenant nous allons vous interpréter une pièce de Debussy qui s'appelle Rêverie. Ça va toujours? Je vais profiter de ce petit moment d'accordage et tout ça pour vous présenter les musiciens de cet ensemble tout à fait atypique. Au premier violon, monsieur Vincent Millioud. Au violon encore, l'incroyable Mark Croft. Élise de Garalto. Lina Luzzi au violoncelle. Jean-Baptiste Guerrier à la contrebasse. Il a aussi fait les arrangements, joue également de la trompette et nous dirige d'une main de maître, Théo Kaiser. Et maintenant on va passer aux vrais instruments de musique. Benoît Convert à la guitare. Nous allons continuer avec un morceau de Ravel qui s'appelle Pavane. J'ai mis toutes les lettres dans le premier mot. Pavane pour une infante défunte. Avant la dernière pièce, parce qu'on a une belle liste de remerciements. Déjà Guillaume et Caroline du Week-End Musical de Pully qui nous ont fait confiance avant même que le projet soit mûr, donc ils méritent vos applaudissements. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier Jean-Pierre et Patrick à la technique qui nous sonorisent, qui nous éclairent. Merci beaucoup. Ne serait rien sans tous les bénévoles, on l'a lu partout, donc merci les bénévoles. Il faut bien qu'on les remercie, ils s'occupent de nous après. Donc, on vous invite à rester aussi pour la suite de la soirée. Il y a plusieurs concerts merveilleux qui vont se dérouler encore aujourd'hui et demain, et on finit la soirée par une jam session. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça aussi un bœuf. Donc voilà, on invite les musiciens à se réunir à partir de 22h au foyer à jouer ensemble. Voilà, sans partition, sans rien. Sans les gens, ils mangeaient avant quand même. Hein. Ouais, il faut manger avant. Parce que c'est pas un vrai bœuf. Hein. Voilà, on profite. Merci Vincent. Ça vient Vincent, ça vient. On profite de remercier aussi le château Fano, enfin la famille Fano et la fondation du château Mercier à Sierre qui nous ont hébergés, nourris, accueillis, soignés pour qu'on puisse travailler ensemble. Car ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beaucoup de travail. On a passé beaucoup de temps ensemble et on est toujours ensemble et c'est un petit peu grâce à eux, donc merci à eux. Et je termine par un petit coup de pub. Toutes les dates de concert sont sur notre site internet optuornifea.com. Ce groupe est rattaché au collectif The Echoes of Django qui a pour motivation de rendre hommage à toutes les facettes de la musique de Django Reinhardt ainsi que toutes ses formations diverses et variées. Donc vous pouvez aussi aller sur le site theechoesofdjango.com et si vous avez la mémoire un peu... voilà, qui ne dure pas dans le temps, il y a des CD avec toutes les informations dessus qui seront en vente au bar. Donc on se retrouve tout à l'heure et on va terminer avec Porto Cabello, un morceau de Django Reinhardt. Merci beaucoup.